Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, les pompes solaires, Chimgé, Unipièce et Lisa Lotto. Madame, Monsieur, bien le bonjour, bien le bonsoir, bienvenue sur Radio et Télévision Métropole à l'heure de la rubrique Le Point. Nous décrétons la permanence, d'ailleurs c'est notre slogan historique, Métropole partout avec vous. Aujourd'hui, depuis Porto Rico, la ville de San Juan, Wendell Theodore reçoit un groupe d'invités. Mais c'est autour de la crise migratoire. On sait que la migration est humaine, historique, éternelle, mais il y a une manière particulière, si vous voulez. Il y a une histoire particulière avec la migration haïtienne, notamment. De par le monde, et pouvons-nous le dire comme ça, mais vers les pays de l'Amérique latine, de l'Amérique de manière générale. Eh bien, depuis Porto Rico, Wendell Theodore va refaire l'histoire avec le groupe d'invités qui interviendra aujourd'hui à la rubrique Le Point. Il s'agit d'abord du père Olin Pierre-Louis, curé de la paroisse Saint-Mathieu, qui avait organisé les funérailles des victimes du naufrage du 13 mai 2022. Et ensuite, Magali Milan interviendra avec vous, avec nous, donc à la rubrique Le Point de Métropole. Et finalement, le docteur Paul Latortue, qui était là avec vous la semaine dernière, interviendra autour de la crise migratoire, des Haïtiens, et notamment, madame, monsieur. Aujourd'hui, c'est le sujet de l'émission La crise migratoire, mais la crise migratoire haïtienne de manière particulière. C'est la toile de fond de la rubrique Le Point d'aujourd'hui, où Wendell Theodore reçoit ses invités depuis la ville de San Juan, donc à Porto Rico. Rebonjour à vous tous, rebonjour à vous toutes. Wendell, bonjour, bienvenue sur Métropole, vous avez l'antenne. Merci Jean-Jules Desaugustes, bonjour Haïti, bonjour à toutes, à tous. C'est un privilège pour moi de pouvoir poser des questions à ces personnalités qui sont actuellement à San Juan, Porto Rico, autour de la crise migratoire, pour vous répéter. Précisons d'abord que ce 19 juin, c'est la journée internationale des réfugiés. Les personnalités qui auront à intervenir sont très concernées par tout ce qui se passe en Haïti. D'abord, Magali Milan est portoricaine, elle n'est pas haïtienne. Elle peut s'exprimer en créole. Elle a l'habitude de se rendre à Cité Soleil, à Léogan. Le père Olin Pierre-Louis est curé de la paroisse Saint-Mathieu, comme vous l'avez dit il y a quelques instants, Jean-Jules Desaugustes. C'est lui qui avait organisé les funérailles de ces Haïtiens qui avaient péri noyés il y a exactement une année. Le professeur Paul Latortue se passe de présentation, donc il aura à adresser la problématique des réfugiés avec nous également aujourd'hui à l'occasion de la Journée internationale des réfugiés. Mais nous précisons d'abord qu'au moment même où nous parlons, ce lundi, il y a un groupe de réfugiés qui est arrivé à Porto Rico. Ils sont au total 40 réfugiés qui sont arrivés à Porto Rico. D'abord, je vais donc introduire mes invités. Je commence par Magali Milan. Magali Milan, bonjour. Bonjour. Et merci parce que vous acceptez de parler avec nous matin. Comment vous êtes? Muy bien. Bonjour tout le monde. Bonjour, moi, très content de parler avec vous. Okay. Mais moi, je parle créole mal. Moi, je parle créole yuntikras. Ok, maintenant, privé comprendre, nous ne pouvons pas parler vite pour être capable d'exprimer. Alors, moi, je dis tout à l'heure que ou qu'on a le Cité Soleil, ou qu'on a le Léogan, qui sont qu'on a le fait dans la zone ça? Bon, nous travaillons avec un comité de solidarité en Haïti, pour Haïti. Moi, je travaille avec l'autre groupe, c'est un catholique groupe. Nous travaillons en Piltan, en Haïti, pour aider la solidarité avec le peuple haïtien. Nous allons à Haïti en Piltan
nous remet Haïti en pile. En Puerto Rico, nous travaillons pour sensibilité pour Puerto Rico, pour connaître Haïti, pour faire en pile lazos, no sé cómo se dice lazos. Lazos de oui. Sí, nan pe Puerto Rico, pe Haitien. ¿Comprendo? Moi comprendre. Et pour qui sont remé Haïti? Pour qui sont remé Haïti? Pour qui sont remé peuple haïtien? Pour qui ça? Nous croyons que Haïti, Puerto Rico, République Dominicane, Cuba, c'est un seul peuple. Carib, pour nous, c'est un seul peuple. Nous croyons que Haïti gagne un petit problème, Puerto Rico gagne un petit problème, encore. Mais nous croyons que Haïti est poco conocido. Nous croyons que Haïti, nous, en Puerto Rico, pas connaît bien Haïti. Nous voulons Puerto Rico connaît bien Haïti pour faire solidarité dans tout Caribe. Nous connaissons Cuba, nous connaissons République Dominicana, mais nous ne connaissons pas Haïti. Parce que Haïti parle l'autre langue. L'ange? Langue. Oui, l'ange. Nous, Puerto Rico, ne connaissons pas bien Haïti, mais moi, je crois que nous, le comité aide pour connaître Haïti dans Puerto Rico. Merci. Merci, Magali. Ma parole tourne poser l'autre question tout à l'heure. Mais t'es introduit Père Olin, bonjour. Merci pour disponibilité pour parler avec Père Haïtien. Bonjour, Ondel. Nous toujours là. C'est pour nous aider tout le monde qui a un problème. Premièrement, monsieur Haïtien. Deuxièmement, nous sommes prêts. L'église là, c'est aider tout l'autre monde. Ok. Père Olin, année dernière, qui ça recherche sur tes bails sur naufrage qui était fait là? Naufrage qui était fait côté que tu as gagné un funérailles collectif qui était chanté. C'est eux-mêmes qui étaient en principe à l'origine de l'initiative ça. Finalement, est-ce que tu es arrivé contre combien de monde qui était disparaître, combien de monde qui était dans le bateau? Là? Bon, le monde qui sauvé, qui était dans le bateau, il a dit que ça a été à peu près 70 à 80 monde. Mais c'est chaque monde qui était monté à tête par eux. Mais il n'a pas contrôlé combien de monde, mais il a dit à peu près il y a 70 à 80 monde qui sont dans le bateau. Là. Mais c'est 15 monde survivants qui nous ont joints. Mais tout l'autre yo tant qu'on était joindre 12 filles yo était ramassé qui était mouri mais tout l'autre a disparu. Donc c'est mesdames seulement qui t'es sauvé 12? Non pas de l'ans ça t'es sauvé t'es gain fille c'est 15 t'es gain 5 filles avec un reste t'es garçon. Oh tant mais là on fait une confusion et 12 enterrements que nous t'es faire. C'était pour 12 mesdames que le t'ayé. Oui, tout 12 mesdames nous t'ayons. Nous t'ayons un koyo. Koyo. Oh, ok. Après ça, tout l'autre monde qui est capable en quarantaine ou cinquantaine, nous pas de jeunes. Nous pas de jeunes. Mais nous t'ayons survivants, seulement 15. 15. C'est 15 ça qui t'ayons consacré. Mais comment en bien santé, mais comment combien de monde qui était là, si tu bateau? Ok. Mais dis-moi, Père Olympia, lui. Et ils disent que c'est deux naufrages qui étaient gagnés. Une fête en mai, t'es qu'un deuxième qui fête 6 mois après. C'est exactement ça? Oui. Mais c'est pas celle deux non. Il y a plusieurs messages qui fait. Parce que l'autre jour là, il y a 4 mois de ça. Il y a un petit petit qui mourit tout. Juste qu'on y a maman la caille moi. Ton belan de l'eau. Donc, vous gagnez un centre d'accueil dans l'église là? Oui, bon, pas à cela, bah, les ovini, ou qu'on est haïtien, bon, yo pas parlé créole, yo chita, bon, l'importe moun ki wayo, yo mène yo la kaimouen. Mais me de yo tout nou gen chambre, nou aide, mou gen 8 la kaimouen konye.
nan moment n'ap pale la, ou gen 8 oui, la kay. Men moun sa ou travay pou yo. Ou chèche travay pou yo. Oui. OK. Et men nou apran tou nan moment n'ap pale la ta genyen yon quarantaine de Oui de, oui, gen 40 ki vini yo yo nan tizile ya. Mwen kwe matin pral chache yo. Donc ça c'est pas naufrage, c'est réfugiés qui bateau arrivé. Oui, mais yo toujours entré chaque fin de semaine yo entré. Chaque fin de semaine yo entré. Mais gen konye a gen yon difficulté à cause des programmes Biden nan. Yo pas rentré, yo obligé entrer tant que Dominique yo kon entré a en clandestine. Yo entré par la pour un police pa kembe yo. Donc là on dit nous que programme Biden nan li affecté flux réfugiés qui kon sorti en Haïti pour venir Porto Rico. Gon problème nan programme Biden nan. Depuis en janvier, gen un paquet moun ki inscrit, yo pa rele yo. Moun yo vinn yo découragé. Après ça tout gen un pile moun ki pa joine famille ki inscrit yo. C'est moun sa yo kap vini. Yo explique m. Yo di m yo pa ka tann encore. Yo pa ka tann encore. Yo di bon, yo jeune garçon. C'est jeune. Puis y a jeune garçon de 20 ans, 19 ans, 18 ans kap kouy ki te pays a parce yo di konsa ke yo tann. Yo pa ka encore. Est-ce que le travail va faire les jeunes supports autorités portoricaines? Bon, gen yo connais dem. Yo connais relem, yo mande comment. Moi même pas vle pa l'empile comment ba yo kon fait. Mais depuis me relé yo toujours prêt pour aider 100%. De pour relé yon autorité, quel que soit gouverneur, l'autre sénateur, député, surtout pour ma magistrat sans loin là. Je suis prêt pour l'aider. Il y a pas grand politique de refoulement, il y a pas refoulé haïtien de façon systématique là arrivé ici. Oui, à cause des bagages Biden non fédéral parce que Porto Rico gagne deux gouvernements, gouvernement local, gouvernement fédéral. Si fédéral la prend yo, fédéral la ka refoulé en Haïti, mais yo pas refoulé ni timoun ni femme enceinte. Moun sa yo, ki sa yo di, ki kote yo tap prale moun sa? Est-ce que c'est Porto Rico même yo tap vini? Ou bien est-ce que c'est tante rive nan l'autre état, États-Unis yo? Alors, pour te préciser que Porto Rico son état associé, ou état libre associé, que lié, est-ce que tap tante par exemple rive Floride, ou bien l'autre côté, ou bien est-ce que c'est par accident yo atterri Porto Rico, ou bien est-ce que c'est Bahamas yo tap prale? Ki témoignage que moun yo ba ou? Non, c'est directement Porto Rico t'a vini. Parce que depuis Porto Rico, ou capable aller aux États-Unis. Depuis vous faites Porto Rico. Yo utilisez Porto Rico tant qu'on y a un pont. Yo fait Porto Rico, si vous avez été au travail tout, gagne traité au travail tout, parce que Porto Rico gagne un peu de travail. Après ça, qui veut aller aux États-Unis. Il y a aller aux États-Unis parce que depuis Porto Rico ou aller aux États-Unis. Oui, mais chance pour faire naufrage là, il existait tout. D'ailleurs, ça la cause mon de mourir l'année dernière. Bon, chance là, les petit genre minime parce que son route, c'est nous même haïtiens pas connait. Dominique on connait. Dominique on gagne même siècle en pile temps il a fait route ça. Yo connait c'est bon. Il gagne risque pour mon monde. Est-ce que vous avez dit nous que le voyage ça yo, c'est Dominicain qui organise yo? Oui, c'est Dominicain qui organise. Okay. Dominicain, haïtien au pays, Dominicain a organisé. Rete avec nous, Père Olympe, lui, témoin avec le professeur La Tortue lui-même, qui a vu Porto Rico depuis un bon petit temps. Déjà, lors vous avez des témoignages ça yo, professeur, qui ça dit yo, qui j'en comprenne phénomène migratoire là ou même décision moun yo prend pour yo quitter Haïti yo just fait confiance à Dominicain qui a organisé voyage clandestin ça yo qui compréhension de ça de phénomène là ou même. Bonjour. Haïti pas fonctionner. C'est ça qui a passé et c'est pas nouveau non. Et cause réfugié yo qui prend un bâtiment pour prendre la mer. C'est depuis
début des années 70, bagay sa ap fèt. En réalité, destination moun yo, c'est États-Unis. On parle clairement, c'est États-Unis yo vle ale. Et d'ordinaire, au début, yo pran bâtiment, yo traverse canal du vent, yo passe Bahamas, yo passe devant Cuba, les finis Miami ap chèche. Et kose ke moun ap vin Porto Rico konye a, à mon humble avis, ça passé gain en plus grande présence de haïtiens en République dominicaine et yo vinn apprendre que dominicains gon l'autre route au lieu ce canal du vent, c'est le canal de la Mona. Donc c'est comme si destination c'est toujours le nord. Mais au lieu d'aller le nord à travers l'ouest, yo aller le nord à travers l'est. Yo font route qui pi long avec espoir que yo ka joine un côté yo rete à moitié chemin. Moitié chemin c'est l'île de la Mona qui nan mitan canal la Mona. Depuis yo rive là, immigration ap veye et immigration konye a soit le mette yo nan prison, soit le voye yo Haïti, soit li ba yon chance si yo gen famille pou yal jwenn famille yo, tout ba yon se ap passe. Et konye a, avec koze Biden nan, mouvement sa ta suppose stop, mais gi konpe yo lundi, gen moun ki pa katann. Donc c'est ça qui a passé là, qui vient faire que Porto Rico vini en destination temporaire, si vous voulez mettre le consent. Mais, il y a près de 40 ans de ça. Et, il y a un série de réfugiés qui étaient transférés de camp Chrome qui est à Miami. Ils ont terminé ici dans Fort Allen. Et leur arrivée, grâce à tout travail de défense réfugiés légalement, tout est gagné un père agent juste dans Miami qui était travaillé en pile dans Barisao, tu as un père Adrien qui était travaillé en pile dans Barisao. Ici Porto Rico, nous t'ai activé nous tout pour défendre haïtien, tu as gagné Jean-Claude Bajeux, père son âme. Et qui était là, qui travaille sur Baraïsa, ou t'es gagné l'autre monde, tout. Moi, m'te fait partie de groupe ça, tout. M'te trésorier groupe là. Parce que pour faire Baraïsa, faut payer avocat, et faut aller visiter Mounio, faut monter. Donc, faut gagner l'argent, tout. Et Conseil mondial des églises, t'es bail, on t'y don pour qu'a fait travail ça. Et donc, ça, c'était le premier contact, moi, avec cause des réfugiés à tout bon. Et là, finalement, nous réussissons à faire dans le tribunal de la Réunion. De 800 réfugiés haïtiens qui étaient dans Fort Allen, ils n'ont pas de vérité à Porto Rico, non? C'est ça qui montre très clairement que la destination, c'était les États-Unis. Là, il y a un monicite qui sortit pour chercher travail pour eux à l'époque. Je ne parle pas de 40 ans de ça. Et bon, yo dit non. Et nous pas prêter ici à l'homme pour qui raison il pas prêter ici à tout bon Porto Rican a émigré aux États-Unis pour qui raison pour eux-mêmes ils viennent émigrer Porto Rico. Donc je dis à bas là comment c'est changé parce que depuis gros cyclone qui passait il y a à peu près 5 à 6 ans de ça ici à et tout problème que bah ça a créé Porto Rico a perdu population. Et de 4 millions de monde qui dans l'île ça dans Porto Rico durant les 10 ou 12 dernières années, gain près 1 million qui ont même émigré aux États-Unis. Donc ça veut dire qu'en général, gain problème. Mais le fait que y ait tellement en pile vient faire que gain 2-3 jobs qui pas assez monde pour travailler. Donc les nouveaux immigrants qui sont papier souvent quand j'ai une opportunité pour jouer un job ça et qui sort de job ça bon gain job
et ramasser café et ramasser ananas et en agriculture gagner et monde qui dans construction gagner monde et qui na et la recaille conseil de bagaille comme ça qui fait que si monde n'a pas gagné une alternative mais les jeunes bagaille capé nous t'écraser les tout prendre donc bagaille ça passer là qu'on y a devant. Mais yo dim tout professeur que gen pile haïtien en général qui émigré en République dominicaine y a le fait travailler ça yo notamment dans construction. Mais je dis à un pile dominicain qui pas fait travail ça la caillou et ça a fait là tout dans Porto Rico. C'est ça. Il y a ça là dans tout. Il y a ça là dans tout parce que les gens viennent faire ici, ils touchent $1. Oh, OK. Et ils touchent un peu plus tout. Et dans pays c'est avec $1 que vous joignez, vous pouvez avoir l'argent la caillou, tout va y soit passé. Parlez-nous de communauté haïtienne dans Porto Rico. So, dis-nous tout à l'heure, il y a environ 4 millions de Porto Ricains sur l'île, dans l'île. Communauté haïtienne, elle est importante, je dis en là. Gampil haïtien qui l'a. Bon, il y a plusieurs groupes haïtiens qui ici. Gon groupe qui pi ancien, yo te vini dans les années 60 parce que yo t'a quitté pour raison politique, yo pas capable avec régime dictatorial du Valier. Groupe ça et ti classe ka vinn pipiti parce que moun yo vinn grand moun. Et moun gen cinq mouri, gen qui prend retraite yo. Petit yo est en fin grandi, petit yo al vivre aux États-Unis, qu'on y a vivre avec petit yo. Mais t'es un paquet haïtien et très connu qui était bon ici. Il y a un monde qui était ici à tout qui retournait en Haïti. Donc, est-ce que nous avons dit Porto Rico seulement, il y a 10 000 haïtiens. Bon, dans un petit moment, qui t'aime fin parler. Dans la première vague que m'a parlé là, à mon humble avis, il n'y a pas de gens plus que 1 000. Dans la première vague. Mais qu'on y a l'a changé. Pratiquement à cause de monde qui a sorti de République dominicaine, monde sorti Haïti via République dominicaine qui vient ici, sont l'autre groupe lié, son phénomène, les plus nouveaux que l'ancien phénomène qui, avec monde qui l'a depuis 60 ans. Yo. Mais depuis près de 10-15 ans, bah, ça passait. Et qu'on y a l'a intensifié plus, parce que il y a 5 ans de ça. Père Olin, pas de haïtien qui prend bâtiment comme domicile. Pas de ça, mais qu'on y a gain ça. Yo pas de con route là. Donc, le problème, yo pas de con route là. Yo vin con route là avec Dominique qui te con route là. Deuxièmement, il y a plus haïtien qui dans le mouvement ça en République Dominicaine. Et finalement, la crise haïtienne vient plus aiguë. Donc, tout bagay se exerce en force. Qui fait que bah, ça passe et la passe là qu'on y a. Qu'on y a, si on prend tout l'autre monde, ça on met ensemble, comme on y a, je ne sais pas, moi, une évaluation, mais certainement, moi, je crois plus que 2000, Père Olin a parlé un peu plus pour ça, parce que Père Olin, il s'est curé en paroisse Saint-Mathieu, qui bon, ici a les San Mateo. Et son paroisse qui recevoit de par localisation en pile haïtien en pile dominicain. Donc, Père Olin, non situation côté lui observé, ça plus et de façon plus intense. Et ensuite, tout Père Olin travaille de très près avec l'archevêque de San Juan, qui très sensible sous cause migration, ça, et qui est sorti pour aider, il voulait aider haïtien, il sentit que haïtien yo a souffri en pile, son un archevêque qui gagne une identité caraïbéenne très forte dans lui-même, donc il senti li solidaire et avec Haïti et il veut bien écouter. Mais Père Olin sous l'ajoute un bagage ajouté. Alors, d'après tout, nous Père Olin après pause là. Okay. Et sous question quantité haïtien qui là,
Moi, retenu que d'abord, vous-même, il n'est pas allé au-delà de 2000. Maintenant, tu m'as dit. Mais l'ICA plus. L'ICA plus, ok. Magali, qui dernière fois allé en Haïti, Magali? Ouh, un pile temps. Un pile fois? Oui, c'est ça? Oui, mais qui dernière fois allé? Vous songez dans quelle année où tu fais dernier voyage en Haïti? Moi, pas comprendre. Qui dit? Paul? La última vez. Ah, hace 3 años atrás. Oh, 3 ans seulement? Oui. Non, 3 ans. Quand le pays a changé, ou a retourné à la Côte en Haïti? Oh, moi pas allé à Haïti parce que c'est un pile insécurité. Oui. Tout le monde dit, moi, Magali, pas aller pour Haïti parce que un petit problème. Tout les amis nous en Haïti dit, oh, Magali, pas aller pour Haïti parce que si vous allez à Haïti, vous avez un petit problème. Mm-hmm. Parce que la situation Haïti, c'est le mal pour l'insécurité. Mm-hmm. Je comprends. Mais moi, aller à Haïti, cuñera, si moi dis, Magali, vini, moi, aller pour Haïti. Vous pouvez aller. Ok, merci en pile Magali. Nous allons faire un petit campé avec émission. Mais un moment, Wendell, situation en Puerto Rico, c'est difficile, politique. Moi, pas capable de parler bien, mais moi, tandé, Paul et Peolín, est-ce que nous pas association dans Estados Unidos, nous colonie dans Estados Unidos? Y no hay un problema porque no se autorité en Puerto Rico, se autorité federal de Estados Unidos. No hay un problema con migración porque no pa control migración, se Estados Unidos. ¿Compran? No compran. No es para capaz de hablar un pil porque no compran que di Paul y Peolín, me no es para capaz de hablar un pil porque no creo el muese mal, me tandé, me di, me fue ampil bagay, me tú. C'est ça. Mais en tout cas, nous comprenons créole. Nous comprenons créole. Oui. Mais là, vous voulez dire nous que il y a un pile problème Porto Rico, et vous dites nous que nous parlons de un État libre associé, mais c'est le même. Porto Rico était en colonie des oui. États-Unis. C'est ça. Ok. Ok. Ah ben, on fait un petit campé. On retourne après pour aborder quelques autres sujets. Moi, je vais poser une question tout à l'heure. Professeur La Tortue, merci. Peolín, Pierre-Louis, merci. On a un petit pause puis on retourne tout de suite. Après. Port-au-Prince, Jean-Jules. Merci beaucoup, Wendell Théodore. Voilà, madame, monsieur, nous vous rappelons que le sujet du jour est basé sur la crise migratoire haïtienne provoquée par la crise multiforme que connaît le pays. La crise migratoire haïtienne vue donc depuis Porto Rico, vue de Porto Rico, avec Wendell Théodore et ses invités, notamment le révérend père Olin Pierre-Louis, curé de la paroisse Saint-Mathieu, qui a organisé la funéraille des victimes du naufrage du 13 mai 2022. Et puis, il y a également Madame Magali Milan, qui intervient autour de la question. Puis, il y a le docteur Paul Latortue, qui est haïtien, mais qui maîtrise très bien les dossiers d'Haïti et qui en parle aujourd'hui. Nous vous rappelons qu'aujourd'hui, c'est la journée internationale des réfugiés et l'on parle de la crise migratoire depuis donc Porto Rico, la ville de San Juan. C'est le temps de la pause. Dans un instant, nous reviendrons pour la suite de cette émission spéciale. Le Point est une courtoisie de la BNC, les pompes solaires, Chimgé, Unipièce et Lisa Lotto. Oui, bonjour, bonsoir à vous tous et à vous toutes, madame, monsieur. Bon retour, si vous étiez des nôtres, bienvenue, si vous êtes à peine branchés. Vous suivez la rubrique Le Point, qui se réalise depuis la ville de San Juan, à Porto Rico, où nous parlons de la crise migratoire haïtienne, de manière particulière, mais de la crise multiforme que connaît le pays de manière générale, parce que c'est la crise multiforme d'Haïti qui provoque la crise migratoire, qui pousse les gens donc vers des cieux plus cléments. On en parle ce matin et parce qu'on connaît déjà des milliers, vraiment des milliers de morts, que ce soit en mer, dans les forêts, en tout cas au cours de la traversée.
Wendell Théodore reçoit ses invités depuis la ville de San Juan pour en parler. Il s'agit d'abord du père Audelin, Père Louis, qui en parle. Il y a également le docteur Paul Latortue, qui connaît ou maîtrise très bien les dossiers d'Haïti. Et puis madame Magali Milan, qui fait partie de ces personnes généreuses qui viennent au secours d'Haïti, même depuis Porto Rico. En tout cas, on parle du sujet. On va passer l'antenne à Wendell Théodore, se trouvant à San Juan depuis Porto Rico, pour continuer à développer ce sujet avec ses invités. Wendell Théodore, bon retour à vous et bon retour à vos invités. Vous avez l'antenne. Bureau chef, merci Jean-Jules Desaugustes. Et vous l'avez dit, nos invités, ils sont donc trois, le professeur Latortue, Madame Magali Milan et le révérend Père Olin Pierre-Louis. Je m'étais annoncé, je m'étais promettre lui, Père Olin, ou t'as pas quelqu'un pour ajouter qui choye sous communauté, à communauté haïtienne en Porto Rico. Est-ce que, en fait, si vous voulez ajouter, elle peut confirmer que pas gagné en pile ou bien gagné en pile haïtien qui a vécu Porto Rico? Gagné en pile qu'on y a. Parce que chaque fin de semaine, il y a une quantité qui est entrée. Bon, hier, nous avons réuni la caméra avec 30. Nous avons une réunion avec eux pour nous parler, pour manger avec 30. Mais il y a un paquet qui gagne. Ce n'est pas seulement réfugiés, il y a des gens. Gen gon paquet étudiants qui étudié dans Porto Rico. Gen Paul te fait entrer yo dans Porto Rico. Y a travail, y a fait un pile bagaille. C'est pas seul gen professeur tout. C'est pas seul haïtien qui vini pour avec ti dans ti bateau yo. Mais gen en pile dans 4 ans, 5 ans, ça a un pile qui est entré, qui parle aux États-Unis, qui rete Porto Rico. Parce que Porto Rico, yo kap pi facile jwenn travail. Par exemple, à cause des lois Miami prend, gouverneur Miami prend, yo peur à Miami. Yo dit comme ça, bon, yo pi à l'aise Porto Rico. Porto Rico, yo kayo pi bon marché. Après ça, immigration par courir derrière yo. Après ça tout, nous groupe nous te travaille. Il y a une licence de pour immigrants. Si vous n'avez pas de papier, vous avez une licence pour conduire. Il y a un pile avantage. Un haïtien qui te prend l'emmène pour arriver à Porto Rico, combien de temps les cas légalisés, situation qui vient légaliser? Dans combien de temps ça va prendre? 2 ans, 3 ans pour accepter ou bien est-ce que les grands plus de temps l'a passé en situation irrégulière, en situation illégale? Ça dépend. Ça m'en est au fait. Parce que quand il y a une pile façon pour légaliser. Par exemple, les diviser. Il y a Porto Rico, il y a fédéral dans Porto Rico. Fédéral, là, c'est prend immigration. Par exemple, si mon est marié, les plus facile pour lui. Parce que quand il y a un TPS, ou qu'a fait réfugié politique, haïtien, ou qu'a marié. Il y a une façon pour haïtien faire légal. Mais quand je parle avec lui, plus rapide, de pouvoir venir avant 9 novembre, ou qu'a pas de TPS là. TPS là, sous 3 mois, il y a bon 4 travail. Ou bien, sous argument, ou qu'on prend asile politique. Il y a bon acceptation pour prendre asile politique. Mon père, je vais en parler là. C'est pas encourage, je vais encourager Haïtien à prendre la main, venir. Non. Parce que le papi mal. Non, je vais encourager. Si on est à Haïti pour nous faire un plus bon pays, pour nous vivre en paix, l'état plus bon. Mais faut que vie mon nom plus important que tout bagaille. C'est même, ça. Même Jésus l'entend et d'ap chercher puis tuer Jésus a Marie avec Joseph t'es allé en exil puis sauver vie.
Je comprends. Et professeur Latortue, Magali se trouve en parenthèse là pour moi. Et elle parlait de Porto Rico qui a un problème. Alors, évidemment, dans quel petit parler qu'on fait, et on dit moi, contrairement à ça, pile monde pense, je pense que le fait que Porto Rico est un monde qui fait la dernière, les tout gain citoyenneté américaine, non. Il y a plein de monde qui pensait que Porto Rico, là, ou bien mené. Pas de problème. Et c'est ça un peu de monde penser. Partage avec nous. Sur le plan culturel, sur le plan des préjugés aussi, comment ça y est? Ah, d'après moi, répondre à la question ça pendant 5 minutes, professeur. Porto Rico, il y a tout problème, non? Il y a des problèmes à Haïti, à Porto Rico, à tout. Et grand problème criminalité, pas petit. Grand problème distribution de revenus ici, pas petit. Il y a misère tout dans Porto Rico. Il n'est pas aussi grave qu'à Haïti, mais il y a misère tout. Il n'est pas aussi grave qu'en Haïti parce que Porto Rico, de par relation avec les États-Unis, il y a même partiellement accès à une série de mesures de bien-être social, c'est après les welfare là. Et il n'est pas aussi élevé qu'aux États-Unis, mais par exemple, il y a des gens qui n'ont pas de ressources et qui jouent un chèque pour acheter manger. Et quand il y a eu des outils 4 qui ont mis directement sur smartphone, yo. Et il y a des gens qui ont accès à l'argent et pour payer caille. Donc il y a une série de formes qui a allégé problème là, mais problème là entier. Et problème drogue là grave ici tout. Et gain zam moi cap circuler. Gain 20 ans. Gain 20 ans de ça pas jamais moi la police avec mitraillette. Qu'on y a moi la police a marché avec mitraillette. Et gain 20 ans de ça question de attirer moun dans la rue pas gen bagay ça kon ya moun yo tire moun pendant y a conduit parce que yo paye un moun pour aller chez moun là donc kon paquet problème bon, et pas oublier que Porto Rico son pays Caraïbes lié tant que nous même problème pas non en plus grave mais il fut un temps au début du 20e siècle Porto Rico était plus pauvre que Haïti. Li transforme tête li te joue un leadership politique qui est débattu aller de l'avant mais il pas résoudre tout problème. Alors Golagay Magali dit moi crois que li gen raison et légalement parlant Porto Rico son colonie li. Et en 1952 États-Unis présentaient Porto Rico dans Nations Unies pour dire que li pa en colonie encore, yo vote en constitution, qu'on y a eu son état libre associé, mais je dis, tout le monde connaît que c'est un menti. Tout le monde connaît, et yon nan moun qui aide Porto Rico ou est menti ça, quoi que c'est pas tout le monde qui est content, mais yon nan moun à mon œuvre la vie qui aide ou est ça, c'est président Obama. Le président Obama, comme un ancien professeur de droit constitutionnel, il dit qu'il n'y a pas de place dans la constitution américaine nan, et pour ça après les États de libre associés de Haïti, mais qui ça ça veut dire, c'est pas que ça veut dire pas qu'à exister non, mais pas de condition. Donc bagay ça a créé une crise. De fait, je dis à la crise là. Les politiques, mais les pas politiques, moun kap fè bagay dans la rue, mais les politiques, dans le sens que bagay yo al devant la justice, pour qu'on ait est-ce que l'interprétation ça correct ou pas correct. Nous pouvons qu'on se kap passe parce que bagay yo y a une grosse conséquence en termes de réalignement de partis politiques. Que si réalignement ça a fait, il y a une conséquence sur qui moun ou qui parti politique qui a pris pouvoir dans le pays. Ya, d'ici prochaines élections. Donc, bagaille en marche.
C'est ça. Maintenant, pour deuxième aspect question préjugés, est-ce qu'il existait au Porto Rico? Oui, il existait, pas aussi fort qu'aux États-Unis, mais il existait. Il existait même, il existait en Haïti. Mm-hmm. Dis-nous, professeur, est-ce que nous connaissons que Porto Rico était occupé par l'Espagne? Moi, constater que l'espagnol en tant que tel est très, très, très présent dans la culture, dans la pratique portoricain. Alors que yo attaché en quelque sorte aux États-Unis. Ça fait ça. Non, bagaille. Portoricains sont peuple latino-américain. C'est espagnol qui langue ni. Mm-hmm. C'est espagnol qui langue ni, c'est pas l'autre langue. Moins barre. Et il a essayé de faire le point anglais, il a refusé. L'apprendre anglais à l'école. C'est même en Haïti. En Haïti, c'est l'école, nous apprenons le français. Oui, c'est oui, créole qui veut l'anglais. Mm-hmm. Comprenez-moi bien. Et il faut nous en position pour comprendre cause ça. Et donc, c'est Pagnol qui est langue portoricain. Et il n'y a pas ni l'autre, ni deux, ni trois, c'est Pagnol. Mm-hmm. Donc, il y a une relation politique là, commencé avec une invasion de la marine américaine en 1898, et puis faire une colonie, et bagaille évolué. Si mon appel de moi, qui ça, États-Unis, a cherché ici, t'es content? Et politique et économiquement, l'étape cherchait et plus terre qui a fait canne à sucre, même Jean les rentrer dans la République dominicaine, les mettre canne à sucre, rentrer Cuba, les mettre canne à sucre, rentrer Porto Rico. Haïti, il était limité, mais il était gain canne à sucre dans plein du cul de sac, c'est ça que t'es bail là à Asco, il était gain canne à sucre dans la plaine des Cailles, c'est ça que t'es bail centrale des Salines, etc. Mais en Porto Rico, mon bagage important, c'est la position géographique de Porto Rico et pour la maîtrise des mers. Et Porto Rico, de toutes les grandes Antilles, c'est la grande Antille le plus à l'est. C'est-à-dire que au-delà de Porto Rico et vers l'est, prochain terre qu'on va rejoindre, c'est l'Afrique. Donc, c'est-à-dire que c'est un grand espace d'océan Atlantique et que bah, c'est toujours important pour des questions de sécurité en cas de guerre, etc. Bon, l'autre barrière encore pour nous connaître. Et au nord de Porto Rico, c'est là l'océan Atlantique la plus profond. Plus profond. Plus de 10 à 12 1000, donc ça fait combien de kilomètres? 18, 19 kilomètres de profondeur. Et ça veut dire, vous devez cacher n'importe qui base de sous-marin là, moun papouel, à moins que vous kaweli, électroniquement parlant, sur notre cause. L'autre question encore, c'est que le canal de la Mona, c'est une entrée importante de l'Atlantique à la mer des Caraïbes et qui bail accès aussi et au canal de Panama. C'est même gentil nous-mêmes en Haïti. Canal du Vent, sont l'autre rentrée en poêle qui est plus raide en comparaison au canal de la Mona. Le canal du Vent, la connexion avec le canal de Panama est encore plus directe. Donc, et toutes les raisons sont importantes pour un pays qui a une prétention pensée, enfin qui est tête comme un empire, à nous clair sous cause ça. Donc, il peut tout, même pour propre défense, parler que l'autre pays qui a un conflit avec lui, qui a vu dominer Mersaïo, et ça a une conséquence pour lui. Donc, Américains ont un avantage du point de vue militaire et lui fait deux, trois bagailles pour transformer la situation économique du pays. Ils travaillent en pile au début du XXe siècle pour établir de l'eau potable, pour établir forêt et contrôle d'érosion et tout côté ça. Mais le peuple portoricain reste et demeure un peuple qui parle le peuple américain. Ils sont plus proches, non?
que les proches américains. Ils ne savent pas comme ça, mais c'est ça lié. Donc, c'est un peuple qui gagne, enfin, qui branche l'Espagne, Caraïbes et Américains. Donc, a-t-il comme ça? Bon, où joignent tout ça? Où joignent des monde qui yo pi parlé de la madre patria? La madre patria, c'est l'Espagne. Donc, yo gagne loyauté envers l'Espagne, et l'autre gagne loyauté envers Américains. Mais le peuple en général, c'est Caraïbes que y a, Latino-Américains que y a, et c'est la majorité. Oui. Mm-hmm. T'es fini avec Magali. Magali, c'est pas seulement Cité Soleil où qu'on allait Léo Gantou, et où allait Jean-Co. De vive Paul. Mais ça, c'est... Donc, on a l'aide. Oui. Dans quel domaine nous avons aidé? Est-ce que c'est dans le domaine éducation? Oui, bien... nous travaillons en éducation, promotion, agriculture. Est-ce que c'est l'Église catholique qui convoie? Femme, desarrollo de las mujeres. Développement de la femme. Oui, avec InfoFam. Avec l'autre groupe de femmes en Haïti. Nous avons en Haïti, nous travaillons avec Ampil, éducation. Si vous gagnez un petit projet en Haïti, nous aidez ça. Vous comprenez? Okay. Le fait qu'on parle en Haïti, est-ce que ça veut dire que toute aide ça est bloquée et pas de l'autre canal pour aide ça est rejoindre Haïtien aujourd'hui? Je veux dire, n'a parlé là ou qu'on a gagné un pile problème en Haïti. Parce que ou même pas aller en Haïti, est-ce que ça veut dire aide qui te qu'on a le joint haïtien yo, aide là bloqué, li pas aller encore. Moi pas en bloqué pour aider Haïti parce que nous gagné un pile groupe en Haïti. Travaille avec nous confiance dans le groupe. Vous comprenez? Nous travaillons pour alimentation pour l'école Léogan. L'école Cunha. Mandez-nous photos, informes. Un pas de problème, mais nous avons un problème pour llevar cosas a Haïti. Après, nous avons un peu de aller pour Haïti, pour chercher avec un peu de bagay pour Haïti. Cunha ou pas capable de faire ça. Vous comprenez? Maintenant, bon, posons l'autre question pour nous finir, Magali. Question droit femme, comment ça y est ici, là, dans Porto Rico? Droit mesdames, comment ça y est? Derechos de la mujer. Oh! Porto Rico a un petit problème parce que cuñea violence. La violencia ha crecido, ¿cómo se diría? Violencia se amplía por fam. No hay un estado de emergencia. Mucha violencia. Sí, por violencia por fam. Pero no hay amplios derechos. Pero
Kounia, après la pandémie, là, après pandémie, si? Oui, 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 c'est ça. 19. Pandémie. Oui, pandémie, c'est un pile violence nan pour femmes. Mais nous avons un pile groupe féministe et nous sommes faux pour tout le temps. Nous allons pour manifestation, pour dire, oh, nous. Merci Magali, merci Magali, t'es nous Jean Bess, t'es nous avec Père Olin. Pierre-Louis Perrolin, ou même où c'est mon Jérémy, c'est ça? Oui, grand Jérémy dans la ville là. Dans la ville là même, quoi. Oui. Ben, nous d'ailleurs parlé avec mon Jérémy, oui, capitaine de nous là. Ou avez quelques secondes pour placer un mot, m'a pas mettre parole dans la bouche, mais pour nous capable finir. Ah, ça m'a beau dire, bon. Il y en a qui m'aide tout le temps. Bon, gede quoi, mal et tout. J'ai rencontré Janatia, m'kon pull-up, m'fon pull-up, m'allé, okay. M'y vais. Qui est-ce que tu allé en Haïti? Non, m'gen 3 semaines, depuis que je suis en Haïti. Ok, ou brave tout risque, tout bagay ou allé? Bon, m'passe par Saint-Domingue, m'tan ti avion après ça m'allé, m'tan dans l'aéroport là. Ok. On va poser même question à docteur La Tortue, même car dit docteur La Tortue, par rapport à ce qui a passé dans le pays, est-ce qu'il pas inquiet? Est-ce qu'il gagne espoir? Mais qui est même gagne espoir tout? Parce que gagne des fois c'est le bagaille difficile que monde prend plus conscience de ça gagne pour faire qui pas fait là. Non, nous ne pouvons pas perdre l'espoir. L'espoir, c'est le dernier bagage pour perdre. Bah, quand on passe dans le pays, il n'est pas bon. Le pays est arrivé à un point que nous ne pouvons pas connaître. Mais nous ne pouvons jamais perdre l'espoir. Qu'est-ce que tu as fait, et pour nous sortir dans ce niveau-là, professeur? Bon, moi-même, toujours mettre en tête point que la crise fondamentale-là, c'est une crise économique. Que parce que moun yo pa gen manje, moitié population est soumis à des questions de grand goût. C'est là qui gros bagay là. Et pa gen un plan économique que moun a suivre dans pays, l'état pas fonctionner. Et certainement pour al faire travail ça, faut qu'a résoudre problème sécurité d'abord, on a pas doute sur ça. Mais on pas arrêter seulement pour dans sécurité seulement. Faut travailler sur toute bagaille à la fois parce que si la situation économique n'a pas amélioré, la situation sécuritaire là, les papes jamais qu'à changer de façon solide. Donc, au cas de faire bagaille, quand on travaille pour faire avec la police, ceci est vrai, mais faut situation population changer. Faut gagner plus l'école, faut gagner plus travail, faut gagner plus l'hôpital, faut gagner plus dispensaire. Faut payer à produire plus, faut gagner plus manger qui produit, sous pas qu'à marcher à la fois sous toute barrière ou pas capable de faire travail et transformation. Mais le travail est possible, mais encore faut-il que nous mettions d'accord sur les objectifs, nous mettions d'accord que bagaille ça pas qu'à faire de jour à l'autre, mais le moment pour commencer le c'est aujourd'hui. Moi, on parlait de plan économique qui est nécessaire, mais là, je sentis que c'était docteur en économie qui a parlé. Mais il y a l'autre monde qui dit que Haïti a besoin d'un bon leadership, professeur. Pas de contradiction. Pas de contradiction, non, ça. Leadership, là, le grand parti leadership qui vient pour avec question sécuritaire, grand parti leadership qui vient pour avec question de transformation de l'État,
qu'on parti leadership gain pour avec question élection et qu'on parti leadership gain pour avec la gestion de l'État, qu'on parti leadership gain pour avec la question de l'économie, qu'on parti de leadership c'est pas l'État dans lié, il faut dans le secteur privé, il faut dans les communautés, il faut dans les communes, c'est tout partout dans le pays. Pas une contradiction. C'est ça, je toujours dit la CAI a toujours été la CAI professeur. Par rapport à moun qui gagnait un désir, on a dit ardent pour quitter le pays, pour venir réfugier dans l'autre pays. Est-ce que vous avez parole pour les gens qui espoirent pour eux, qui forment d'encouragement, capable de faire pour t'arrêter, et même pour rappeler que le pays a toujours besoin de petit lit, quelle que soit la situation que vous avez. Qui aime nos bagailles, même les gens qui ont quitté le pays, ils ont un corbeau, ils ont un petit capital. Les gens qui ont privé ici à un petit bâtiment, il a dépensé facilement entre 5 000, 7 000, 8 000 dollars américains. Au moins qu'on ait que 5 000, 7 000, 8 000 dollars américains, ou bien gens qui ont investi dans le pays aujourd'hui pour monter propre travail par an. Mais apparemment, même ça a des difficultés parce que les gens qui ont venu au voler, les gens qui ont venu au kidnapper, donc causer insécurité à une relation à cause économique. C'est tout bail pour mettre main sur eux à la fois. En pile monde qui a pâti, ils ont capable faire affaire par eux, ils ont con faire affaire par eux, c'est courir parce que pour sauver la vie. Merci professeur. Le dernier mot c'est Magali qui a placé le dernier mot. Magali dit haïtien un dernier mot, zami côté gain en Haïti. Dernier mot. On pas comprendre. Qui ça dit? Bon moi on dernier parole. Parole. Unas palabras para el pueblo de Haití. Sí. Oui, oui. Uh-huh. Haití gagné un pile problème, mais yo gagné un pile saminan, un pile pep. Trabaj puede Haití pu gagné y un bif. Bon, parce que nous, blé, Haïti, c'est un pays que se merece tener una vida plena. Así que nous travaillons pour faire ça. Merci. Magali Milan, merci au docteur La Tortue, merci à Père Olin, Pierre-Louis. Merci à tout le monde. Nous sommes arrivés à la fin de l'émission. Merci à toute l'équipe qui a contribué à la réalisation de cette émission. Merci à Jean-Jules Desaugustes, mon collaborateur, Richard Steins, réalisateur et assisté donc de Guitry Choisy qui sont à Port-au-Prince et qui ont rendu possible cette émission. Messieurs, merci. Merci à vous tous. Allez, à la prochaine. Merci beaucoup, Wendell Théodore. Merci à vos invités, le docteur Paul Latortue, le révérend père Audelin Pierre-Louis et Madame Magali Milan, qui était avec vous autour de ce sujet sur la crise migratoire de manière générale et à l'occasion de la journée internationale de la migration. Un sujet qui est d'importance pour le pays et pour nous tous. Je voudrais vous laisser avec cette pensée de Robert des Noces, de la liberté ou l'amour, c'est son œuvre, qui nous dit que la migration fait partie de l'être et de l'histoire de l'humanité. Et il continue pour dire que ce que nous disent plus de 50 ans de dessin et de peinture, c'est qu'un pays n'est jamais une seule chose à la fois. Il est souvenir tendre de l'enfance tout autant que guerre civile. Il est souvenir de l'histoire, mais aussi et surtout l'amour et la liberté. Il est peuple comme il est tribu, il est campagne et ville, vague d'immigration et d'émigration, il est son passé, il est son futur, mais aussi il est advenu et la somme de ses possibilités. Merci beaucoup à vous tous et à vous toutes d'avoir suivi la rubrique Le Point d'aujourd'hui, cette émission spéciale réalisée depuis la ville de San Juan, Porto Rico, à l'occasion de la Journée internationale des réfugiés. Merci à toute l'équipe. Je suis Jean-Jules Desaugustes et à bientôt.
Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, les pompes solaires, Chimgé, Unipièce et Lissa Loto.